Alors, donc, s'il vous plaît, on passe au TP numéro, je pense, numéro 3 ou numéro 2. TP numéro 2. Alors, je vais commencer par lire l'énoncé. Alors, une société de développement a décidé de réaliser une application Java permettant de suivre la consommation de café de 10 programmeurs d'un projet. Et donc, là, j'ai déjà proposé le nombre de programmeurs au maximum pour la réalisation d'un projet qui vont bien sûr participer à la réalisation ensemble d'un projet. Chaque semaine, le chef du projet relève le nombre de tasses de café consommées par les différents programmeurs. Ces informations seront stockées dans deux tableaux. Le tableau PR qui stocke les informations d'identification de chaque programmeur du projet. Le tableau CC qui stocke les consommations de café des différents programmeurs par semaine. Là, oui. D'accord, donc. Voilà. Et donc, et puis après, je vous ai présenté la structure des tables dans le monde relationnel, dans le modèle relationnel. Je vous ai proposé la table programmeur et la table consommation de café. Donc, la table programmeur est caractérisée par quatre champs, l'identificateur, le nom, le prénom et le bureau. L'ID s'incrémente de façon automatique. L'ID est une donnée qui s'incrémente automatiquement. Et puis, la table consommation de café est caractérisée par trois champs, le numéro de la semaine, le programmeur, le nombre de tasses. Et donc, ici, la clé primaire est composée de deux informations qui sont le numéro de la semaine et l'identificateur du programmeur. Et bien sûr, nous allons utiliser des tableaux. On ne va pas utiliser le modèle relationnel pour le stockage des informations, mais juste des tableaux. On va utiliser la mémoire. Le stockage ne sera pas physique. Alors, l'ID du programmeur est une donnée qui s'incrémente automatiquement. Un projet est caractérisé par le code, le sujet et la durée en semaine. La taille du tableau de consommation de café correspond à la durée du projet. Donc, la dernière fois, je vous ai dit de travailler sur combien de semaines pour la. Voilà, sur cinq semaines. Donc, je vous ai dit de fixer le nombre de semaines. Et par la suite, nous allons utiliser une donnée qui nous permet de modifier la valeur initiale. Ah, donc, nous allons, d'après la conception que nous avons proposée, il y avait combien de classes? La classe consommation café, caractérisée par le nombre de tasses. Oui, à l'intérieur, oui, c'est la durée. C'est la durée du projet. Oui, ça existe. Ça existe, la durée. Donc, un projet est caractérisé par le code, le sujet et la durée en semaine. C'est la durée de la réalisation du projet. Alors, l'application attendue doit permettre au chef du projet de gérer les tâches suivantes. L'ajout d'un programmeur, l'affichage d'un programmeur, l'affichage de la liste des programmeurs. Et puis, on va modifier le bureau d'un programmeur, ajouter une consommation de café à un programmeur donné en une semaine donnée. Donc là, vous devez aussi ajouter comme tâche rechercher un programmeur en utilisant son identificateur. Donc, la fonction doit renvoyer l'indice du fichier s'il existe, au moins un, sinon. Et puis, afficher le nombre total de tasses de café consommées en une semaine donnée, puis supprimer un programmeur. Et puis, afficher pour une semaine donnée la liste des programmeurs triés dans l'ordre décroissant, et pas croissant, décroissant, selon le nombre de tasses consommées. Et voilà. Donc, ça, c'est l'exercice numéro 1. Et donc, je vous ai demandé la dernière fois de commencer par développer la classe consommation de café parce que nous allons utiliser un type consommation de café à l'intérieur de la classe programmeur. Car un programmeur est caractérisé par son identificateur, le nom, le prénom, le bureau et aussi un tableau de consommation de café. Donc, je vais lancer NetBeans. Pour la classe consommation de café, quels sont les attributs que vous avez déclarés? Le nombre de tasses? C'est bon? D'accord.
Mais là, donc, puisqu'on va mettre le tableau de consommation à l'intérieur de la classe programmeur, le tableau de consommation de café à l'intérieur du programmeur, donc ce n'est pas la peine de déclarer l'ID. L'ID, ça ne sert à rien. Puisque le tableau de consommation va concerner un programmeur qui est identifié par un ID. Tu vas gérer la consommation indépendamment des programmeurs. C'est-à-dire, il y a des programmeurs et tu vas gérer les consommations de café des programmeurs indépendamment de la gestion des programmeurs. Et moi, ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est de gérer les programmeurs avec leur consommation de café. C'est-à-dire, on crée un programmeur et on initialise aussi la consommation ou bien les consommations du programmeur. Oui. D'accord. Donc, voilà, donc là, tu donnes l'ID, la semaine et le nombre de tasses de café. Et donc là, après, tu vas, par exemple, créer un tableau de consommation. Et pour afficher la consommation d'un programmeur, tu vas utiliser l'ID, puisque l'ID déjà est un élément qui caractérise la consommation. Et c'est-à-dire là, la gestion de consommation doit être à l'intérieur de la classe projet, puisqu'on va créer le projet, on va gérer la consommation de programmeur. Donc ça, c'est possible aussi, c'est une autre façon pour la conception. Et il y a la possibilité de gérer la conception à l'intérieur de la classe programmeur. C'est-à-dire pour chaque programmeur, on ajoute la consommation, on supprime la consommation, on modifie ainsi de suite. Et donc, bien sûr, tu as le droit d'ajouter la semaine pour la consommation de café. Donc, on peut, si vous voulez, ajouter la semaine. Donc, en plus du nombre de tasses de café, on ajoute aussi la semaine. Ça, c'est possible. On peut le faire aussi. Et on vérifie si ça va donner donc de résultats. S'il n'y aura pas de blocage, on garde la conception. Sinon, on peut revoir la conception ou bien donc la classe consommation. Alors, nouveau projet. Donc ici, gestion, consommation, café. Donc, il va nous générer la classe principale qui porte le même nom que celui du projet. Le package porte aussi le nom du projet. Donc, gestion, consomme, café. Et gestion, consommation, café, c'est la classe principale. Voilà. Donc, le package gestion consommation café à l'intérieur de ce package. Donc, le package est un dossier dans lequel on regroupe les classes. Donc, gestion consommation café. Et puis, à l'intérieur de ce package, nous allons ajouter la classe consommation café, Java class. Donc, consommation café. Donc, votre collègue a proposé de déclarer les champs semaine et aussi nombre de tasses de café. Alors, private int semaine et puis private int nbr de tasses de café. Nbr de tasses de café consommées. Et puis, on aura besoin donc, des getters et des setters. On va les générer automatiquement. Donc, insert code, getter and setter. Voilà. Donc, on peut initialiser, si vous voulez, le nombre de tasses de café. Donc, on peut l'initialiser. Donc, le nombre de tasses de café, on peut l'initialiser à zéro. Donc là, on va essayer de suivre cette proposition de conception. Donc moi, je vous ai dit la dernière fois de ne pas déclarer la semaine ici. Alors, essayons d'intégrer la semaine et vérifions ce qui va se passer par la suite. Alors, on ajoute la classe programmeur.
Alors, programmeur. À l'intérieur de la classe programmeur, nous allons déclarer combien d'attributs? Il faut déclarer combien? Donc, il y a l'ID, le nom, le prénom et le bureau. Donc, private int ID, private string. Oui? Alors, integer est une classe. Voilà. Et int est un type qui est scalaire. L'autre, c'est un type objet, donc integer, de la classe integer. Donc, il y a des types scalaires et des types objets. Alors, private string, nom, prénom, et puis private int bureau. Donc, bien sûr, on peut savoir les types à partir du modèle relationnel proposé des deux tables. Ici, les bureaux, ce sont des entiers, comme vous le voyez. Et ici, le nom et prénom sont des chaînes de caractères, l'ID, une numérique. Et d'après la consigne, l'ID doit s'incrémenter de façon automatique. C'est-à-dire, il ne faut pas demander à l'utilisateur d'introduire la valeur de l'ID. L'ID va s'incrémenter automatiquement. Comment peut-on incrémenter l'ID de façon automatique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter une donnée statique. Il faut ajouter une donnée statique. Cette donnée va s'incrémenter à l'intérieur du constructeur. C'est-à-dire, à chaque fois ou bien pour chaque création d'un objet, on incrémente la donnée statique. Et on va affecter la valeur de cette donnée statique à l'ID. Alors, on va ajouter une donnée statique. Et donc, pourquoi ces données statiques? Ça, c'est juste pour assurer l'incrémentation automatique de l'ID. Donc, private, statique. La donnée statique doit avoir une valeur initiale. Private, statique, int, num, numéro, un numéro qui s'incrémente automatiquement. Donc, je peux faire num auto, ou bien tout simplement num, num, reçoit. Donc, au départ, donnez-moi une valeur initiale. Vous pouvez choisir n'importe quelle valeur initiale. Alors donc ici, la première valeur est 1. Et donc, je peux initialiser num à 1. Et puis, nous allons développer le constructeur. Le constructeur est une méthode spécifique qui porte le même nom que la classe. Et le constructeur nous permet de créer un objet. Et donc, à l'intérieur du constructeur de cette méthode, on doit initialiser les attributs. Alors, on va le générer. Insert code, le constructeur. Et donc, à l'intérieur, on vient comme paramètre de ce constructeur. Est-ce qu'il faut passer l'ID comme paramètre? Donc, juste le nom, le prénom et le bureau, car l'ID va s'incrémenter automatiquement. Et donc, ce n'est pas la peine d'ajouter comme paramètre l'ID. Donc, generate, et voilà le constructeur. Donc, public, programmer, string, nom, string, prénom, int, bureau. Et donc, these.nom, alors, vous voyez la couleur est verte ici. These.nom reçoit, nom, c'est le paramètre. These.prénom reçoit prénom. Et these.bureau reçoit bureau. Alors, en ce qui concerne l'ID, il faut aussi initialiser l'ID. Donc, these.id reçoit quoi? Num, plus plus ou plus plus num? Num plus plus. Et donc là, ça s'appelle quoi ici? C'est post, non, ça c'est post-incrémentation. C'est-à-dire, on va commencer par l'affectation d'abord, et puis après, l'incrémentation. Et si le numéro est initialisé à 0, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord incrémenter. Donc, si la valeur initiale du num est 0, il faut mettre ici plus plus num à la place de num plus plus. Voilà. Donc, comme ça, nous allons incrémenter le numéro, puis après, on va affecter sa valeur à l'ID. Donc, ça, c'est pour le constructeur. Et puis, nous allons générer les getters et les setters. Insert code, getter and setter. Et donc, bureau. L'ID, le nom et le prénom. Generate.
On va développer aussi la méthode afficher. Alors, public void afficher. Afficher est une méthode qui permet d'afficher un programmeur. Le programmeur courant. Et donc, ces informations sont accessibles via la référence sur l'objet courant. La référence 10. Et donc, 10 fait référence à l'objet courant. Et donc, c'est system.out.println. On affiche ID 2 points plus ID. Alors, plus le nom, nom et prénom, oui. Oui, c'est possible de générer la méthode toString. Alors après, on va voir comment on la génère. On termine d'abord la méthode affichée, puis on génère la méthode toString. Alors, system.out.println ID plus ID, nom et prénom, plus nom, plus un espace, plus prénom. Plus le bureau. Alors, plus bureau, 2 points, plus bureau. Et donc, ça, c'est juste pour l'affichage des informations sur le programmeur et qui concernent son identificateur, son nom, son prénom et son bureau. Alors, si vous voulez générer la méthode toString, pour générer la méthode toString, insert, donc insert code et aller chercher override. Parce que la méthode toString est une méthode de la classe, de la superclasse object. Et donc, vous devez la redéfinir. Et donc, la redéfinition consiste à développer cette méthode à l'intérieur de la classe programmeur. Et donc, generate. Voilà. Donc, public string, toString, return super.toString. Et donc, on n'aura pas besoin de toString de la classe mère, de la superclasse. Nous allons retourner directement. On va retourner la description de l'objet. Oui? Ah, ça existe déjà. Voilà. Donc, return directement. Elle n'a rien généré. Donc, il nous a généré seulement le return qui est lié à la classe mère, à la classe principale. Donc, oui, bien sûr, ça dépend de l'environnement. Ça dépend de l'environnement. Alors, maintenant, revenons à la consigne. Afficher un programmeur. Et donc, pour l'affichage du programmeur, nous allons afficher aussi la consommation de café du programmeur. On affiche son ID, son nom, son prénom, et aussi, il faut afficher sa consommation de café. Nous avons oublié de déclarer le tableau de consommation de café à l'intérieur de la classe programmeur. Il faut déclarer aussi le tableau CC. D'après l'énoncé, oui. Oui, d'accord. Alors, pour le menu, ce n'est pas la peine. Et vous pouvez le réaliser si vous voulez. Oui. C'est très bien. Oui, parfait. Oui. On peut afficher l'ID, le nom, le prénom et le bureau, puis après, la consommation du café du programmeur. Oui, c'est ce qu'on va faire. Donc, nous allons afficher la consommation en utilisant le tableau CC, le tableau de consommation. Alors, pour la déclaration du tableau de consommation, on va le déclarer. Donc, vous pouvez déclarer le tableau de consommation public ou private. Donc, nous allons utiliser le niveau de protection par défaut. C'est public, mais à l'intérieur du package.
à l'intérieur du package, c'est-à-dire le niveau de protection et package. Alors, le tableau consommation, car la classe consommation de café est déjà déclarée, consommation, CC. Alors, je vous ai demandé d'utiliser une taille fixe pour ce tableau. Ça, c'est juste pour la première version de la solution, une taille fixe. Et après, on peut modifier cette taille. Et je vais vous montrer comment la modifier. Donc, provisoirement, utilisons une taille fixe. Alors, par exemple, ici, nous allons, pour la création de ce tableau, CC reçoit new, consommation de café, et 5, par exemple, 5 semaines. Ça, ce qui représente la durée du projet en semaines. Donc là, nous allons stocker dans ce tableau de consommation les consommations de café qui concernent 5 semaines. Si on suppose que les projets, ou bien tous les projets, leur durée sera 5 semaines. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai juste créé un tableau de référence. Donc, c'est un tableau de référence. Est-ce que les objets de type consommation de café sont déjà créés? Les tableaux de consommation de café ne sont pas encore créés. Donc, comment peut-on créer les tableaux de consommation? Comment peut-on créer les objets? Donc, il faut créer combien d'objets de consommation de café? Il faut créer 5 et initialiser le nombre de tasses de café à 0. Donc, soit on crée maintenant les objets pour initialiser les nombres de tasses de café à 0, on laisse la création pour après. C'est-à-dire, lors de l'ajout d'une consommation de café, on doit commencer par créer l'objet. Parce qu'il n'y a que des références. Il y a combien de références? 5 références. Et donc, si on vise la semaine 5, on crée l'objet qui a l'objet dont la référence SCC de nombre de semaines ou bien de la semaine moins 1, car les indices commencent à partir de 0 du tableau et la semaine 1 va correspondre à l'indice 0, la semaine 2 va correspondre à l'indice 1 et ainsi de suite. Et donc, oui, on initialise à 1 mais pour le nombre de tasses, mais pourquoi? On va initialiser à 0, pas à 1. Initialisation à 0, voilà. Et donc, for int i reçoit 0, point virgule i inférieur à 5, point virgule i plus, mais c'est une proposition. Oui? Ou bien c'est point lent. De toute façon, on sait d'avance que la taille du tableau de consommation est 5. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser ces point lent. Et donc, ici, pour l'initialisation, nous allons initialiser à la fois le numéro de la semaine, car nous avons déjà utilisé le numéro de la semaine comme propriété qui caractérise les objets de ces consommations de café, et aussi le nombre de tasses. Et donc, d'abord, on crée l'objet. On crée l'objet. Donc, CC 2i reçoit new consommation de café. Il y aura un appel à un constructeur. Quel constructeur? Le constructeur par défaut. Est-ce que le constructeur existe, ce constructeur? Est-ce qu'il est développé de façon explicite? Le constructeur n'existe pas. Mais il sera généré automatiquement, car le constructeur n'est pas développé explicitement. Donc, le constructeur par défaut sera généré. Alors, l'objet sera créé, et donc cc2i.set nombre de tasses, et on donne 0. On donne 0. Et puis, cc2i.set semaine, pour la semaine, je passe i plus 1, c'est-à-dire la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3, et ainsi de suite. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, et ainsi de suite. Donc, cette semaine, i plus 1. La valeur du i, la valeur initiale du i est 0. Donc, la première semaine par mois, c'est 1, 0 plus 1. Ici, la valeur du i
égal à 1. Ça concerne quelle semaine? Ça concerne la semaine 2, et ainsi de suite. Et comme vous le voyez ici, l'indice I, à l'indice I, va correspondre à la semaine I plus 1. Va correspondre à la semaine I plus 1 parce que la boucle commence à partir de 0 et pas à partir de 1. Donc, ça, c'est pour le concept. Maintenant, si vous voulez afficher aussi la consommation de café, system.out.println consommation de café et puis for int i reçoit 0 point virgule i inférieur à 5 point virgule i plus plus et puis i inférieur à 5 ou bien i inférieur à cc point, point length ou bien à cc point length. Et donc ici, system.out.println semaine. Alors, donc semaine plus cc2i.get semaine. On ne peut pas accéder à la semaine directement. On va accéder à la semaine via getSemaine, car la semaine est déclarée en utilisant le niveau de protection privé. Donc, il faut utiliser un accesseur. Alors, plus deux points, et là, on va afficher le nombre de tasses de café, plus cc2i.getNBR, getNBR de tasses, le café. Voilà, donc ici plus tasse. Et voilà. Alors, tools, options, je vais minimiser la taille. Et donc ici, par exemple, 18. OK. OK. Et voilà. Et donc, public string, voilà, to string, ça, c'est déjà développé pour renvoyer la description de l'objet. Et ça, c'est la méthode affichée qui affiche l'ID, le nom, le prénom et le bureau d'un programmeur, ainsi que la consommation de café du programmeur. Bien sûr, pour chaque semaine. Pour l'ensemble de deux semaines en fonction de la taille du tableau CC. Alors, on continue. Mais si vous voulez qu'on fasse un test pour la classe programmeur, on crée un objet de type programmeur, donc programmeur P. Alors, est-ce qu'on a le droit de faire P point, par exemple, cet nom? Et on passe un nom quelconque. On n'a pas le droit, car ici, l'objet n'est pas encore créé. On a tout simplement une référence. Nous avons réservé un emplacement au niveau de la mémoire pour une référence de type programme, pour qu'on puisse accéder aux propriétés qui caractérisent un objet, pour qu'on puisse consommer les méthodes, on doit avoir un objet. Et donc, pour créer un objet, on doit utiliser l'opérateur new. Donc, P reçoit new programmeur. Alors, new programmeur, on va passer le nom. Par exemple, Xavier, le prénom, Lerdorf. Et puis, le bureau, par exemple, 230. Le bureau numéro 230. Et puis, nous allons afficher le programmeur. P point afficher. Alors, on lance l'exécution. Voilà le résultat d'affichage. L'ID 1
nom et prénom Xavier Lerdorf, bureau 230. Et puis consommation de café, semaine 1, 0 tasse, semaine 2, 0 tasse, semaine 3, 0 tasse, semaine 4, 0 tasse, semaine 5, 0 tasse. Il manque ici un espace séparateur. Alors ajoutons l'espace. Donc voilà, tasse, espace. On continue. Alors ajouter un programmeur, ça doit être à l'intérieur de la classe projet. Nous allons développer maintenant la classe projet. Un projet est caractérisé par le code, le sujet et la durée en semaine. Donc code, sujet et la durée. Et aussi un tableau de programmeurs normalement. Les programmeurs qui vont collaborer ensemble pour réaliser le projet. Alors on crée la classe à l'intérieur toujours du même package, la classe projet. Donc par convention, la première lettre doit être en majuscule, donc projet P en majuscule. Et puis, on va déclarer les attributs. Alors, private int, un projet caractérisé par le code, ou bien string, le code, private string, quoi? Le sujet. Et puis, la durée. Private int, la durée du projet. On aura besoin aussi d'un tableau de programmeur. Donc, programmeur, donc bien private, programmeur, PR. C'est un tableau de programme. Et ce tableau sera créé à l'intérieur du concept. Alors, est-ce que nous avons déjà une valeur fixe pour le nombre de programmeurs? Il y a 10 programmeurs, donc il y a déjà une taille fixe. Et donc, je peux faire directement reçoit new programmeur, directement ici. On vient à l'intérieur du concept. Donc, soit directement reçoit new programmeur. Alors, new programmeur, donc programmeur PR, reçoit new programmeur de combien? De 10? On vient à l'intérieur du concept. Maintenant, pour le constructeur. Alors, un constructeur est une méthode spécifique qui porte le même nom que la classe. Et le constructeur doit être public. Il y a des cas où le constructeur peut être aussi privé. Ça, c'est possible. Alors, si vous voulez avoir un accès au constructeur, pour que vous puissiez créer des objets en utilisant le constructeur, vous devez le déclarer public. Sinon, vous n'aurez pas la possibilité de créer des objets. Il faut chercher un autre moyen si le constructeur est privé, un autre moyen pour créer des objets. Alors, dans ce cas-là, le constructeur sera toujours public. Donc, public, programmeur, j'ai utilisé le même nom. Non, c'est projet, public projet. Alors, la classe est projet. Ah, donc j'ai choisi de l'écrire manuellement. On peut le générer, bien sûr. Public projet. Et quels sont les paramètres de ce constructeur? Alors, string, par exemple, C pour le code, virgule string, S pour le sujet, virgule int, D pour la durée. Alors maintenant, on n'est pas obligé d'utiliser these, la référence these. On n'est pas obligé d'utiliser la référence these pour initialiser les attributs. Quand est-ce qu'on est obligé d'utiliser la référence these? Si le nom de l'attribut et le paramètre portent un même nom. Donc maintenant, on a des noms différents. Donc C, le paramètre est C, et l'attribut code. Donc code reçoit C. Et puis sujet,
reçoit S et la durée reçoit D. Alors, à l'intérieur, ou bien, donc on va rien faire à l'intérieur, donc nous allons par la suite développer une méthode qui permet d'ajouter un programmeur. Regardez l'énoncé. Ajouter un programmeur. Donc, l'application attendue doit permettre au chef du projet de gérer les tâches suivantes. Donc, le chef du projet va d'abord créer un projet. Créer un projet, c'est-à-dire, il va remplir les champs code, nom, sujet et la durée. C'est-à-dire, il va affecter à chaque attribut une valeur. Et puis, il va ajouter un programmeur au tableau des programmeurs. Alors, je suis à l'intérieur de cette classe. Nous allons ajouter des programmeurs en fonction des besoins. Donc, si le chef du projet demande l'insertion, ou bien l'ajout d'un programmeur, on va l'ajouter. Mais si le chef du projet demande l'affichage de la liste des programmeurs, quelle est la taille que vous allez utiliser du tableau PR? Est-ce que vous allez utiliser la taille 10 alors que dans le tableau, il n'y a que deux programmeurs? Donc, il faut prévoir une autre variable NBR de programmeur. Et ce nombre doit s'incrémenter après chaque opération d'ajout. Il doit se décrémenter après chaque opération de suppression. Et nous allons utiliser le nombre de programmeurs, c'est-à-dire le nombre effectif, le nombre réel qui existe. Sachant que nous avons réservé combien de références? 10 références pour référencer 10 objets. Mais il se peut qu'il y a dans le tableau que deux objets. Bon, nous allons décrémenter le nombre de programmeurs. Lors de l'insertion, on va incrémenter le nombre de programmeurs. Et lors de la suppression, nous allons décrémenter le nombre de programmeurs. Nous allons déclarer une variable, une autre variable. Regarde. Donc, private, oui, int nbr. Int NBR. Et donc, je suis en train de créer le projet. Quelle est la valeur initiale de NBR? C'est 0. Donc, je crée le projet, c'est-à-dire, lors de la création du projet, il y a aucun programme. Et donc, NBR reçoit 0. Ou bien 10.NBR reçoit 0. Alors maintenant, la méthode ajouter un programme. Et donc, public, void, ajouter. Quel sera le paramètre de la méthode ajouter? Nous allons ajouter quoi? On va ajouter un programmeur. Et donc, on passe l'objet. Mais pourquoi faire? Vous voulez utiliser la version procédurale? On peut passer l'objet directement. On passe l'objet. Donc, programmeur. Programmeur, par exemple, programmeur P. Quand est-ce qu'on a le droit d'insérer un programmeur? Si le programmeur a un emplacement. Alors, if le nombre est inférieur strictement à 10. Si le nombre est inférieur strictement à 10, PR de quoi? De NBR, programmeur, reçoit P. Et puis, vous devez incrémenter le nombre, n'est-ce pas? Puisque l'opération est effectuée avec réussite. Et donc, il faut incrémenter le nombre. Et donc, au lieu d'ajouter une autre instruction qui permet l'incrémentation de NBR, on peut incrémenter directement ici. Et ça signifie quoi? Ça signifie d'abord, nous allons commencer par l'opération d'affectation et puis nous allons incrémenter. Donc, il y a deux opérations, incrémentation et affectation. Oui.
Oui, c'est possible si vous voulez utiliser une autre variable auxiliaire pour vérifier si tous les éléments du tableau sont épuisés. Ça, si on peut le faire, oui. Mais là, on ne va rien retourner maintenant. On ne va rien retourner. On va afficher un message d'erreur. On va afficher un message d'erreur. On va dire que le tableau est plein ou bien espace insuffisant. Pas de place pour ce programme, par exemple. Oui. Et donc maintenant, else quoi? System.out.println, pas de place pour ce programme. Ou bien espace insuffisant. Donc, on cherche à dépasser le nombre max. On a une salle qui supporte au maximum 10 programmes. Et nous, on cherche à dépasser la taille max. On affiche un message d'erreur. Alors, essayons d'afficher. Donc là, on va afficher. Donc, il y a, je pense, la méthode afficher par la suite. Afficher la liste des programmeurs. Voilà. Donc, afficher un programmeur. Donc, ici, ajouter un programmeur. Puis après, afficher un programmeur. Et donc, afficher déjà développé. Vous pouvez, si vous voulez, développer une autre méthode afficher un programmeur. Et donc, l'affichage, ça va concerner le programmeur dont le code est passé en paramètre. Donc, afficher avec un paramètre code. Il y a aussi par la suite la méthode rechercher un programme. Développons donc cette méthode, la méthode qui permet la recherche d'un programmeur, et cette méthode va renvoyer l'indice du programmeur s'il existe et moins 1 s'il n'existe pas. Alors on va développer la méthode rechercher. Quel est le type de cette méthode? C'est une méthode de type int. Int, donc public d'abord. Int rechercher. On va rechercher un programmeur. À l'intérieur du tableau, quel tableau? Le tableau PR, le tableau des programmeurs. La méthode rechercher doit avoir un paramètre. On va effectuer la recherche en utilisant le code. Le code du programme, l'ID du programmeur, pas le code. Le code, c'est une propriété qui caractérise le projet. En utilisant l'ID du programmeur. Parce que l'identificateur du programmeur, c'est l'ID, d'après l'énoncé. Et donc, int l'ID du programme. Pour quelle méthode? Voilà, ça c'est le paramètre d'entrée. C'est l'ID. On demande ici l'ID à l'intérieur? Non, ce n'est pas la peine. Il vaut mieux passer un paramètre que de demander à l'utilisateur d'introduire la valeur ici à l'intérieur. Ça, on peut le faire à l'intérieur de la fonction main, on demande l'ID. À l'intérieur de la fonction main. Alors, ici, for int i reçoit 0 point virgule et inférieur à quoi? Inférieur à 10, le nombre de programmeurs, la taille max, inférieur à nbr de programmeurs, point virgule i plus plus. Et puis, if pr de i point, if pr de i point quoi? Point, id, mais l'id n'est pas accessible, regardez, l'id n'est pas accessible. On va utiliser getId, car l'ID n'est pas accessible. Point getId. Voilà, c'est l'utilisation de getId pour résoudre le problème d'accès à la donnée privée ID. Égal à quoi? Égal à ID. Si oui, retourne directement. Retourne l'indice I, la position, l'indice. Si tous les éléments du tableau sont épuisés, sans rien trouver, nous allons retourner moins 1. Donc ici, on n'utilise pas else. Oui? Ah, ça, c'est à l'extérieur, bien sûr. Ça, c'est à l'extérieur, parce que la boucle for se termine ici. La boucle for se termine ici. Et si vous voulez mettre le tourne à l'intérieur, le tourne moins 1 à l'intérieur, vous devez utiliser des accolades. Accolades ouvrant ici, accolades fermant ici. Alors,
Il y a la méthode afficher un programme, public void afficher. Cette méthode a comme paramètre l'ID, puisqu'on va afficher un programme. Alors, int ID. Je vous ai demandé de développer d'abord la méthode rechercher. On va utiliser rechercher ici. Alors, int position, position, ou bien indice, donc ce que vous voulez, indice, int indice reçoit rechercher. La méthode rechercher. Et on passe à rechercher ID. Quand est-ce que le programmeur existe? Quand est-ce qu'on dit que le programmeur existe? Si indice, regardez, ça c'est le résultat qui sera fourni par rechercher. On dit que le programmeur existe si l'indice est différent de moins 1. Regardez, la méthode rechercher quand on voit moins 1, quand? Si le programmeur n'existe pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si le programmeur n'existe pas. Et si le programmeur existe, on renvoie quoi? L'indice, sa position dans le tableau. Et donc là, if indice est différent de moins 1, ça signifie quoi? Que le programmeur existe. Et donc s'il existe, on va l'afficher. PR de i point afficher. C'est afficher qui est développé à l'intérieur de la classe programmeur. Qui est déjà développé à l'intérieur de la classe programme. Voilà, donc je vais laisser que les classes que nous avons développées ici. Oui. Oui. Attends une minute, ça c'est indice d'abord. Voilà. PR2 indice, oui. Quel projet? Ah, c'est pour le CC. Bon, il y avait des exercices. Oui, un peu. Non, c'est pas comme ça, mais simple par rapport à celui-là. Ah, le projet. Ah, il y aura. Il y aura des bien sûr de. Donc, vous allez travailler sur une étude de cas un peu complexe. Ah, c'est autorisé, c'est tout. Voilà. Voilà, documentation, la documentation sera autorisée. Alors, if indice différent, s'il vous plaît. Else, c'est-à-dire si indice égal à moins 1. Else, quelle est la négation de cette condition? La négation, c'est-à-dire indice égal à moins 1. Et donc, si l'indice égal à moins 1, système.out. Point println programmeur introuvable programmeur introuvable. Alors ici, if indice différent de moins 1, ici différent de moins 1, on affiche. Ici indice égal à moins 1, on affiche un message d'erreur. Alors maintenant, la fonction suivante, afficher la liste des programmeurs. Afficher la liste des programmeurs. Alors, public, void, afficher. Est-ce qu'on a le droit de développer deux méthodes qui portent le même nom à l'intérieur de la classe? Ça s'appelle avec des signatures différentes. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la surcharge. La surcharge de méthode. On dit aussi la surdéfinition. La surdéfinition de méthode. Alors, public void affiché. Nous allons afficher quoi? Le projet ainsi que la liste des programmeurs. On va afficher le projet ainsi que la liste des programmeurs. Et donc, system.out.println. Donc, code du projet. Code du projet. Code projet plus code plus durée plus durée. Et il y a aussi le sujet, donc plus sujet
plus sujet. Voilà, donc là, nous allons afficher le code du projet, le sujet et la durée. Et puis la liste des programmes, alors system.out.println. La liste des programmeurs. La liste des programmeurs. Et puis une boucle for int i reçoit 0 point virgule inférieur à combien? On va afficher la liste des programmeurs à nbr, hein? Point virgule et plus plus. Et puis pr de i point afficher. On déclenche l'appel à afficher. Et afficher, c'est une méthode de quelle classe? De la classe programmeur. Car dans le tableau des programmes, dans le tableau PR, voilà, les objets de ces programmeurs sont stockés. Et donc, PR2 est une référence qui référence un programmeur. Alors, ça, c'est affiché. On va tester, s'il vous plaît. On fait un test. On teste les méthodes que nous avons développées. Allors, à gestion consommation café. Je vais créer un projet. Je crée un projet. Projet PRJ reçoit new projet. Et donc le code A, le code du projet, par exemple P001. Le sujet, site web. La durée, par exemple, de 3 semaines. La durée de 3 semaines, par exemple. Ça, c'est la durée du projet. Alors, par la suite. Donc, nous allons ajouter des programmeurs. P. Donc, si on affiche la liste, si on affiche la liste directement, prj.afficher, on va afficher le code, le sujet et la durée. Et pour la liste des programmeurs, il n'y aura rien. Alors, on lance l'exécution. Code du projet, sujet, la durée. Donc, la liste des programmeurs, il n'y a rien. Et donc, si vous voulez ne pas afficher ce message, car la liste est vide, on peut ajouter un message. Si le nombre de programmeurs est différent de, voilà, si le nombre de programmeurs est différent de 0, voilà, on affiche la liste des programmeurs. Là, vous pouvez l'ajouter ici. Projet. Et donc, pour le message qui est affiché ici. Oui. Où ça? On ne va rien afficher car ici le nombre est égal à 0. Voilà, le nombre est égal à 0. Alors regardez, maintenant on va même pas afficher le message. Regarde. Il y a juste code du projet, sujet et la durée. Et le message n'est pas affiché. Alors maintenant nous allons ajouter un programmeur. Regardez s'il vous plaît. Et là vous allez voir une contradiction. Votre attention s'il vous plaît. Chose qui va nous pousser à revoir la conception. Alors, gestion consommation de café. Là, je vais ajouter un programme. Alors, prj.ajouter. La méthode ajouter est développée. Quel est le paramètre de... Voilà, c'est programmeur. Alors, voilà l'objet. C'est mieux programmeur, Xavier. Alors, nous allons afficher combien de programmeurs? Est-ce que la liste est vide? Il y a un seul programmeur. Alors, on lance l'exécution. Il y a combien de semaines? La durée, voilà, donc ici 3 semaines. C'est-à-dire, il faut afficher pour la consommation de café. Combien de semaines? 3 semaines. Alors, on lance l'exécution. Il nous a affiché 5 semaines. Il a considéré la taille max. Mais la durée du projet est de 3 semaines. Et c'est une contradiction. Normalement, il ne faut pas afficher ici 5 semaines. Il faut que 3 semaines. Donc, j'ai créé un projet, il y a une durée pour le projet, et donc le tableau consommation de café doit être créé en fonction de la durée du projet. Mais comment peut-on passer cette valeur
à la classe enseignante, à la classe programmeur. Donc voilà, vous avez proposé statique, c'est-à-dire statique à l'intérieur de quelle classe? À l'intérieur de la classe programmeur. Donc on déclare cette variable statique à l'intérieur de la classe programmeur. Ça, c'est programmeur. Mais est-ce que le programmeur est caractérisé par du projet? Le programmeur va travailler sur du projet. On ne va pas créer des projets à l'intérieur. Mais ça ne sert à rien de créer un projet à l'intérieur de la classe programmeur. On gère des programmeurs et leur consommation. On gère des projets et on ajoute des programmeurs. On affecte des programmeurs au projet. Donc là, on déclare une variable statique. Pourquoi statique? Pour qu'il soit accessible via le nom de la classe directement. Et donc, il sera statique, c'est-à-dire sa valeur sera partagée par toutes les instances, par tous les programmeurs qui vont travailler sur un projet. Alors, normalement, c'est sera partagé par toutes les instances, mais là, il faut faire attention parce qu'il y a des programmeurs qui vont travailler sur un projet et les autres vont travailler sur un autre projet. Et donc, c'est-à-dire, nous allons ajouter des programmeurs à, on va affecter ou bien on va associer des programmeurs à un projet et puis on va passer à la création d'un autre projet pour modifier et modifier par la suite le nombre de semaines. Le nombre de semaines qui sera déclaré à l'intérieur de la classe programmeur. Et c'est-à-dire, si on ajoute un programmeur à un projet et puis on crée un autre projet et on ajoute un autre programmeur, là, ils vont avoir la même durée du travail sur le projet. Et il faut savoir gérer ce problème. Donc, on va continuer d'abord pour voir ce qui va se passer. Donc, ici, je déclare statique int la durée ou le nombre de semaines, donc NBR semaine, la valeur initiale, donc je peux donner une valeur initiale, le nombre de semaines, donc normalement un programmeur va travailler au moins une semaine, donc je donne comme valeur initiale ici 1. Nous avons créé un tableau de consommation de café, donc à la place de 5, on va adopter NBR semaine. Et donc ici, à la place de 5, NBR semaine. Ou bien à la place de NBR semaine, cc.length. Pour prendre en considération la taille considérée lors de la création du tableau, peut-être si jamais la valeur sera modifiée par la suite, la valeur statique. Il ne faut pas prendre en considération la valeur, la nouvelle valeur. Il faut prendre en considération la taille du tableau qui est créé. Et donc, à éviter l'utilisation du nombre de semaines ici. Et considérer la taille du tableau. Et voilà. On revient à la classe projet. Alors, on crée un projet. Et puis ici, donc ici nous avons programmeur PR reçoit new programmeur. Le projet est créé et à l'intérieur de ce constructeur, nous allons prendre en considération la durée. Et donc, programmeur point le nombre de semaines reçoit la durée. Programmeur point nombre de semaines reçoit la durée. C'est-à-dire j'ai créé un projet. Et j'ai initialisé le nombre de semaines avec une valeur. Et donc, cette valeur sera prise en considération lors de la création du tableau de consommation de café pour les programmeurs qui vont travailler sur ce projet. Est-ce que vous avez compris? Donc, après, on va faire des tests et vous allez voir. Après, on va faire un test et vous allez voir. Donc là, je vous ai demandé de laisser le nombre de semaines pour après pour avoir cette contradiction.
c'est que nous avons fixé la valeur à 5, et puis nous allons fixer la durée à 3 semaines. Et puis, vous avez vu lors de l'affichage de la consommation de café, nous avons affiché 5 semaines au lieu de 3 semaines. Oui. Ah, le nombre de semaines, non, c'est pas ça, c'est le nombre de semaines. Ça va te poser un problème, c'est que par la suite, tu dois convertir ce nombre en une semaine. Oui, 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 oui. Ça va marcher, mais donc, il faut trouver un moyen pour avoir le nombre de semaines. Alors, donc, maintenant, revenons. On va lancer l'exécution maintenant. Regardez, je vais lancer l'exécution. Elle m'a affiché combien de semaines? Elle m'a affiché que 3 semaines. Elle m'a affiché que 3 semaines. Essayons de modifier, si vous voulez, s'il vous plaît. Je vais modifier le nombre de semaines ici, par exemple. J'ai créé un projet et on va modifier. Donc, PRJ. Alors, c'est, voilà, c'est pas PR, voilà, programmeur. Programmeur. Le nombre de semaines reçoit, par exemple, ici 10. On lance l'exécution. Est-ce qu'il va prendre en considération 10 ou 3 semaines? Est-ce qu'il va prendre en considération 3 ou 10? Lors de l'affichage, vous voyez, lors de l'affichage, qu'est-ce qu'il va prendre en considération? Je ne sais pas, donc là, on est en train de modifier parce que c'est une donnée statique et sa valeur sera partagée par toutes les instances. Et donc, la valeur est déjà modifiée. Et nous avons utilisé quoi dans la boucle? Est-ce qu'on a utilisé le nombre de semaines qui est statique ou bien la taille du tableau? Nous avons utilisé la taille du tableau. Et donc, on vérifie maintenant. Regardez ce qu'il nous a affiché. Et ça signifie quoi? Il faut aller à la vérification. Pourquoi il a affiché 10 lignes? Allons à la vérification. Donc, on va essayer d'exécuter et de suivre le déroulement de l'exécution. Projet PRJ, reçoit un nouveau projet, c'est-à-dire on va aller au constructeur. Allons au constructeur. Le projet est créé. La durée est 3. Le nombre de semaines égale à la durée, qui est 3. Alors, on revient à la classe principale. Et par la suite, programmeur, point nombre de semaines égale à 10. C'est-à-dire, on va aller à la classe programmeur et initialiser le nombre de semaines. C'est-à-dire, on va modifier la valeur de la donnée statique qui est accessible via le nom de la classe. Il est devenu maintenant 10. Et puis, lors de la création, regardez ici, lors de la création d'un programmeur, le programmeur est créé où? Le programmeur, regardez le programmeur. Il est créé lors de l'ajout. Et lors de l'ajout, nous avons considéré, donc on va considérer la dernière valeur. Donc ici, new programmer, c'est-à-dire on va aller, donc ça c'est la fonction ajouter, puis new programmer. Donc l'appel à new programmer. Donc new programmer, là on est en train de considérer quoi? Le nombre de semaines. Et car le nombre de semaines est déjà modifié. Modifié avant la création d'un objet. Et donc, vous voyez le problème, c'est que si on fait la modification, nous allons avoir une autre valeur pour le nombre de semaines. Et donc, c'est-à-dire, ça, il faut savoir le gérer. Donc, il ne faut pas modifier le nombre de semaines avant l'ajout des programmeurs. Sinon, vous allez modifier la valeur. Et donc, maintenant, si on fait la modification après l'ajout d'un programmeur, il n'y aura pas de problème. Maintenant, il n'y aura pas de problème. Car le programmeur est déjà ajouté et nous avons considéré la durée du projet et pas la nouvelle valeur. On lance l'exécution et vous allez voir qu'il y aura 3. Et surtout, nous avons utilisé la taille du tableau. Et si on n'utilise pas la taille du tableau, alors allons à la classe projet. Au lieu d'utiliser la taille, c'est la classe programme. Alors, à la classe programmeur, au lieu d'utiliser la taille du tableau,
utilisant, par exemple ici, ça c'est quoi? Ça c'est le consecteur. Par exemple, le nombre de semaines, NBR de semaines. Donc ça c'est pour la création, il n'y aura pas d'opreneur. Je parle de l'affichage. Et l'affichage existe où? Afficher un programme, existe ici. Voilà. Et donc ici, par exemple, NBR de programme. Nous avons créé un programme en utilisant une taille. Et puis, nous allons afficher la consommation de café en utilisant une autre taille. Donc, la valeur utilisée est 3. Regardez la valeur utilisée. La valeur utilisée est 3. Et puis, nous avons créé un programme en considérant cette valeur. Et puis, il y avait la modification. On affiche après la modification. Et nous avons utilisé NBR de semaine au lieu de la taille du tableau. Et donc là, il va nous donner quoi comme résultat? Vous voyez, nous sommes en train de parcourir des éléments qui n'existent pas dans le tableau. Vous voyez le problème? Elle a généré des erreurs. Car nous avons essayé de parcourir des éléments qui n'existent pas dans le tableau. Le tableau est créé avec la taille 3. Et lors de l'affichage, nous avons utilisé la taille 10. Et donc, revenons à la version initiale. Ici, c'est ces points-là. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut encore? On ajoute un autre programmeur, par exemple, prj.ajouter new programmeur. On va créer un autre projet. New programmeur. Et donc, à LMI, par exemple, Ayman, le bureau de son, un autre programmeur. Slimani, Anas, le bureau 100, on lance l'exécution, zéro consommation de café pour tous les programmeurs et ça concerne toutes les semaines. Voilà, nom et prénom et ainsi de suite. Il n'y a aucun problème. Oui? La pause. D'accord, donc prenez 10 minutes. Alors, 15 minutes. Alors.